poisson vers toi et tu moulines rapidement en descendant. Voilà. Ouh, ça sent le marlin là, ça sent le marlin. Ça sent le joli poisson. Bonjour à tous, décor de rêve pour ces nouvelles échappées belles aux couleurs de l'océan Indien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un voyage que nous allons faire ensemble entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. On commence par l'île de la Réunion avec Joël pour de la pêche sportive. Donc là, ce qu'on appelle fouetter, donner des sacs à douleur pour exciter l'attaque. En tout cas, c'est très agréable de découvrir la Réunion par la mer. Alors depuis l'île de la Réunion, à vol d'oiseau, l'île Maurice, c'est pas très très loin, si j'ose dire. Hein. C'est à 200 km, un peu plus loin. Dans le nord de, dans le nord de la Réunion. Maurice, Réunion, Rodrigue, tout ça fait partie de tout l'archipel des Mascareignes et l'île continent qui est Madagascar un peu plus bas. Samoussas, allez, voilà. De Saint-Gilles et de la Réunion. Voilà. On va vous prendre un assortiment de samoussas alors, monsieur. Tu sais, Sophie, sur les autres parties de l'île, on a beaucoup plus de sable noir, puisque c'est volcanique. L'avantage ici, c'est qu'on est sur la côte ouest et donc il y a des récifs coralliens. On a une barrière de corail et qui dit barrière de corail dit automatiquement sable blanc. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer ici, toi ? Les poissons. Et t'es originaire d'où ? Breton d'origine. Un petit breton, mais d'ailleurs, ils étaient nombreux, les Bretons, à une époque, à venir ici, sur l'île de la Réunion. Il y en a eu pas mal au début du siècle et surtout, les Bretons, ça bouge beaucoup. Ouais. C'est des pêcheurs qui aiment bien bouger dans le monde, donc on les retrouve un peu partout. Et moi, donc, je suis venu pour pêcher les beaux poissons de l'île. Et toi, tu déroges pas à la règle? Non. C'est une île attachante, la Réunion? Les gens, ils sont très, très gentils. C'est une île où, il y a le côté montagne où on peut prendre le frais, et puis le côté plage, le long des lagons, où on peut se baigner, plonger, pêcher, faire du surf. Enfin, il y a toutes les activités de loisirs sont agréables. Dis donc, t'en fais bien la promo de la Réunion pour un oreille. Parce que t'es un oreille, toi ? Je suis un zoréole. Mon oreille est dans le métropolitain qui arrive à la Réunion. Mmh. Le zoréole est un oreille qui vit depuis très longtemps à la Réunion. D'accord. Écoute, moi, c'est un voyage qui va être sous le signe de l'harmonie, alors. J'ai été ravie de découvrir la Réunion par la mer et maintenant je suis très curieuse de la découvrir vue d'en haut parce qu'elle est très très belle vue d'en haut, la Réunion. C'est magnifique, le survol est splendide. Le point culminant de l'île, mais également aussi le point culminant de tout l'océan Indien. Et bien,
En fait, ce piton des neiges, après quelques milliers d'années de bons et de loyaux services, s'est effondré, en fait. Et en s'effondrant, il a formé quatre cirques, dont les trois plus connus sont Bafat, Salaz et Silaos. Hein. Et nous sommes actuellement en train de rentrer à l'intérieur de ce cirque de Bafat. Et de la randonnée, il y a de quoi faire en fait. Hein. Les amoureux du canyoning seront aussi servis. Tout à fait. Pendant des millénaires, les pluies tropicales ont érodé les volcans de la Réunion pour se frayer un chemin jusqu'à l'océan Indien. Elles ont laissé derrière elles des centaines de profonds canyons devenus depuis 30 ans le terrain d'aventure d'une discipline d'un nouveau genre, le canyoning. Aymeric Baucheron, l'un des tout meilleurs spéléologues français, a choisi il y a quelques années d'apporter ses connaissances techniques à l'exploration de nouveaux itinéraires. Moi, j'avais eu tous les bonheurs en métropole et puis d'autres experts dans le monde en spéléo au niveau découverte, donc j'avais envie de me relancer. J'aime bien inventer des techniques, du matériel et tout, et donc comme j'avais entendu dire que La Réunion, c'était un terrain de jeu de haut niveau, en canyon, je voulais voir ce que c'était, et puis mettre au point des techniques et des façons de faire qui correspondent à ce terrain de jeu de haut niveau. Ce qui maintenant, depuis plus de 15 ans, réussi parce que ça a participé, entre autres, au rayonnement de La Réunion au niveau canyon, ce qu'en fait le spot mondial à l'heure actuelle. Parmi les dizaines de canyons équipés, ce jour-là, Aymeric et quelques amis se rendent dans l'est de l'île. Là où se concentrent les itinéraires d'envergure. Ils ont jeté leur dévolu sur Takamaka, un des deux canyons les plus réputés au monde avec le trou d'enfer, et tous deux sont situés à La Réunion. Donc là, on est sur le premier cassé de Takamaka, donc canyon de Takamaka, tronçon 1. Voilà, donc premier appel de 70 mètres. Aymeric est le premier à s'élancer pour une longue journée de descente. Ce canyon, parmi les premiers à avoir été parcouru, représentait il y a encore quelques années une véritable petite expédition pour canyonistes confirmés. L'activité a évolué assez vite au niveau de la technique, du matériel. Un canyon comme celui-ci, Takamaka, à l'origine, ça se faisait en deux jours. Maintenant, avec les lignes performantes qui ont été mises dedans, les progrès de matériel, c'est pas un souci de le faire la journée. Le trou de fer, c'était pareil. À l'origine, c'était trois jours. Maintenant, on arrive exceptionnellement à le faire la journée. Une fois les rappels effectués, le groupe entre dans la zone aquatique. C'est alors un enchaînement ininterrompu de toboggans, de sauts, de nages en rivière, avec en plat de résistance un rappel de 55 mètres menant dans les eaux bouillonnantes du petit trou de fer. Takamaka exige une attention de tous les instants, car en cas d'accident, les secours seraient très longs et difficiles. La plus grosse traumatologie en canyon, c'est sur les sauts, parce que les gens ne font pas attention. Très vite, on s'amuse, on saute de partout, et puis y a un moment, il n'y a pas assez de fond, quoi. Après 6 heures d'effort, Takamaka relâche son étreinte, mais réserve une dernière surprise aux canyonistes.
une escalade quasiment verticale de 2 heures dans la forêt primaire. Si on fait les choses correctement, les chemins sont presque plus dangereux que le canyon en lui-même. C'est pas parce que t'es arrivé à la fin du canyon que c'est fini, quoi. C'est-à-dire là, on met les baudriers, il y a des endroits où on a mis des cordes, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas de cordes et il ne faut pas glisser. Sur les 250 canyons dénombrés, beaucoup sont encore inexplorés et risquent fort de le rester, car situés en plein cœur du parc national de la Réunion. Il y a des petits villages, on parle pas de village, on parle d'îlets ici. Voilà, hein. Bon, c'est des sortes de petits villages, des petits hameaux, donc posés souvent sur des plateaux au milieu des remparts et qui ressemblent un peu à des petites îles au milieu de l'île. Ah, c'est en fait. Donc notre île dans l'île, nous, ça s'appelle Marla. Donc voilà, on est l'îlet le plus haut de Mafate, donc on est plus au sud de Mafate. On est à 1600 mètres d'altitude. Là, c'est les trois salazes, les trois roches qui sont debout. Et après, donc, ça remonte au col du Taibit et le Grand Bénard, le troisième sommet le plus haut. OK. Ensuite, on a les remparts donc, de 1200 mètres de haut qui rentrent dans l'UNESCO, dans ce qui a été classé en fait, au patrimoine mondial. Justement, cette zone classée, protégée de l'île de la Réunion, ça correspond à quelle superficie à peu près? Je crois qu'on est à pratiquement 80% de... 80% de l'île qui est protégée par... Voilà. Tu habites dans un... voilà, au cœur du parc national. Il y a 800 personnes. Ouais. L'histoire de Mafate, avant tout, c'est le marronnage. Donc, c'est la fuite des esclaves des plantations d'Eba qui sont venus se réfugier dans les trois cirques de la Réunion. C'était des gens originaires de Madagascar, les esclaves. Ils se donnaient des noms pour faire peur. Donc, en fait, Mafate, ça veut dire la mort qui tue. Donc, c'était le nom d'un des chefs marrons. Okay. Et il y a une légende qui dit que quand les esclaves arrivaient à attraper un blanc, ils leur coupaient les oreilles. Alors ça venait peut-être de cette histoire des oreilles, c'était pas juste. C'est pour ça qu'on les appellerait oreilles. Parce qu'ils ne comprenaient pas étant des oreilles. C'est la version que je connaissais. On ne sait pas, c'est plus des légendes, mais c'est ce qui met un peu de piment justement dans Mafate, on va dire, ce côté tout le temps, voilà, justement un peu révolutionnaire. Avec Daisy, on a fait notre voyage de noces dans Mafate. Ah, c'est chouette. Traverser de Mafate à pied avec les sacs à dos, les marmites. Et puis après, bon voilà, moi j'ai eu l'opportunité de monter, travailler pour des gens, pour construire des gens que je connaissais un petit peu. Donc voilà, je suis monté. Puis un jour, un ami m'a dit, bah tiens, plutôt que d'habiter dans l'école qui était abandonnée, il me fait, bah si tu veux, prends la petite maison. Donc il y avait un tout petit bout de maison. Je l'ai montré à Daisy un week-end, elle est montée avec moi. Je lui ai montré. Et puis elle m'a dit, ah, bah ouais, pourquoi pas. Et on a décidé de monter une petite structure de chambre d'hôte. Donc on a tout fait avec Daisy, depuis le terrassement à la brouette. On a agrandi notre terrasse. Au moins, je sais pas, au moins 50-60 mètres cubes de terre et de roches. Quel boulot, dis donc. Salut Daisy. Bonjour. Enchantée. Vous vivez dans un endroit magnifique, là. Hein? Oui, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Un beau cadre de vie pour élever ses enfants? Oui. Oui. Il y a combien de petits en tout, là, dans la famille? On en a 3. D'accord. Une qui est en 3e, l'autre qui est en 4e, et le petit dernier qui est encore avec nous, qui est en CP. D'accord. Quand tu dis encore avec nous, ça veut dire que tu as été obligée d'envoyer tes enfants à la ville, si j'ose dire, pour faire leurs études. Voilà. Et est-ce que tu es heureuse d'avoir élevé tes enfants ici, dans cet environnement? Oui. Ouais. Alors voilà tes ruches, Sébastien, les ruches de Mafate. Ouais, bon, on va dire une partie, on est pas mal à avoir des petites... Il y a beaucoup de gens dans Marla, puis dans tous les îlets, même aux Orangers, où ils ont justement les anciens, les Gramoun, comme on dit. Ils ont des ruches. Moi, j'ai appris avec eux il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est un miel de forêt. Hein. Nous, toute l'année, c'est du miel de forêt, mais on a plusieurs variétés de fleurs qui vont être butinées en fonction de l'année. Il y a beaucoup de senteurs dans la cour. Là, tu as la menthe. Oui. Là, par exemple, on a du thé. Mm-hmm. Là, tu as une variété de géranium
qui sent la menthe aussi. Ah oui. C'est un géranium citronné, on appelle ça. Après là, il y a trois variétés de lavande aussi dans la cour. Et ensuite, les arbres fruitiers, les pêches, les abricots, les pois. Un peu de tout pousse ici, en fait. Tout pousse à ma fat. Ça fait un peu climat méditerranéen, je dirais. Oui. Je vais te faire goûter à un fruit. Oui. Je ne sais pas si tu en as déjà mangé. C'est la tomate arbuste. Tomate arbuste? Ah donc oui. Tu vas me faire découvrir ça. Je crois que c'est un fruit qui vient du Pérou. Mm-hmm. Tu t'en sers en cuisine? En rougail. Ouais. Ou en confiture aussi. Ouais, c'est très bon. On essaye d'être, on va dire, autosuffisant, au moins en tout ce qui est légumes, aromates, tout ce qui est... Sinon, faut attendre le passage des hélicos pour... Sinon, faut descendre faire les courses, oui. Partir à 4h du matin et... Et faut aller, pas oublier aller... la plaquette de beurre, là. Voilà, faire une journée de course. Il y a eu une livraison. Qu'est-ce que c'est? La cantine. Ah, c'est la cantine, ouais. Pour les enfants, oui. L'école. Ah, il y a de la betterave à midi. J'ai fait tout pour être accepté. Je ne suis pas venu en conquistador imposer quoi que ce soit. Je me suis acclimaté, habitué, puis j'ai essayé d'amener des compétences, des choses qui pouvaient rendre service à tout le monde, les aider à construire les maisons, faire ouvrir l'école il y a une dizaine d'années. Voilà, plein de petites choses qui ont fait que je pense que voilà, j'ai réussi à me faire accepter. Tu te sens bien là maintenant ici, c'est vraiment ton chez-toi. Voilà, ouais, je pense que ça y est, c'est bon, j'ai pas mal, on va dire, hésité à droite, à gauche, travaillé dans les bas, un petit peu partout, mais là je changerai plus. Toi, t'es maintenant, bon. T'es dans les hauts. Voilà, hein. Je suis dans les hauts et j'en bouge plus. Si les Mafatais ont par le passé refusé la construction d'une route pour préserver leur tranquillité, ce n'est pas le cas des deux autres cirques réunionnais que sont Salazi et Silaos. Les villages y sont plus grands, traversés par le flot des voitures, et les commerces et services sont présents comme partout ailleurs dans l'île. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, oui. Bon, t'es prêt à partir? Oui, prêt. Ouais, t'es sûr? Oui, ça va. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, il a pas fait beau, donc tu risques d'avoir des problèmes peut-être dans la descente, tu feras attention. Le sentier est un peu glissant. Hein. Okay. C'est bon. Bon, ben écoute, voilà, tout ton courrier est là. Hein. Contrairement à ses collègues partant en tournée au volant d'une voiture, Cyril Maillot, malgré son jeune âge, est un facteur à l'ancienne. De ceux qui vont à pied et uniquement à pied. Car sa tournée se déroule entièrement dans le cirque de Mafat. Partir en tournée, des fois sous la pluie, dans la boue, traverser des gués, traverser des ravines, c'est pas simple. Et si on n'est pas bien préparé à ce type de tournée, bien souvent, on est amené à renoncer. À la nouvelle, il y a une particularité, quoi. Les lettres n'ont pas de numéro de boîte aux lettres, quoi. C'est personne par personne. Il faut connaître le nom de chaque personne, quoi. C'est long à prendre, il faut environ 3 mois. C'est parti. Chaque lundi, Cyril quitte le bureau de poste de Salazi pour une tournée de plusieurs jours. Mais avant d'entreprendre son périple, il lui faut d'abord prévoir son ravitaillement. Bonjour. Bonjour. Je pourrais avoir un sandwich bouchon d'acatine, s'il vous plaît. Mais j'achète à manger, quoi. Il faut bien se ravitailler avant la marche. Voilà. Pour 4,50, s'il vous plaît. Voilà. Cyril ne manque pas de rendre visite à son père, Yolan Maillot, facteur comme lui. Car depuis des années, les postiers officiant de ce côté-ci de Mafat ont souvent porté le nom de sa famille. Marc Maillot, après il y avait Anissé Maillot, Samuel Maillot, avec José Maillot, Jean-Louis Maillot, on avait Yolan Maillot, et là c'est Cyril Maillot. C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus sportif que les facteurs de la ville. Hein. Parce qu'il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, il n'y a que les deux pattes. Quoi. Allez, bonne route. Allez, merci.
Il est temps pour Cyril de rejoindre le col des Bœufs et d'entreprendre la longue descente vers Mafate. Voilà, à La Réunion, les vierges, c'est à chaque fois qu'on finit une côte, il y a une vierge à La Réunion. La montée, quoi. Mais dans notre camp, on descend, donc c'est pas fini pour nous. La première étape doit conduire Cyril à Marla, blottie à 1700 mètres. C'est l'îlette le plus élevée du cirque. Il lui faudra 2h30 pour y arriver sans stress. Voilà Marla, encore 40 minutes et on y sera. Avant l'abolition de l'esclavage en 1848, Mafate fut le refuge des esclaves en fuite. Aujourd'hui encore, les villages ont conservé cet isolement. Aussi, le passage du facteur est toujours un événement très attendu par les quelques familles installées ici. Bonjour monsieur, alors ça va bien ? 300, 100, 200. J'emmène les retraits d'argent parce que c'est un peu loin pour eux de descendre à Salazie uniquement pour retirer de l'argent. Alors qu'il y a un facteur qui passe une fois par semaine. Avec Joël. Voilà, monsieur de Coyer. Bonjour, Olivier. Merci, monsieur le facteur. C'est gentil. Il passe pas souvent, mais quand il passe, c'est pas pour rien. Ah oui, mais on a vu tout ça, on est là pour lire une semaine au moins. Bonne fin de soirée. Allez. Allez. Un passage par l'école, par l'épicerie. Même s'il n'y a pas de courrier à distribuer, Cyril visite toutes les maisons de l'îlette, quel que soit le temps ou la fatigue qui pèse dans les jambes. Voilà, même à Marla, il y a des boîtes aux lettres. Bonjour. Merci. On l'attend lundi impatiemment parce qu'il ne passe qu'une fois par semaine, donc on est content qu'il passe. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Dans ces villages reculés de Mafate, le facteur, au même titre que l'institutrice ou l'infirmière, est un lien vital avec le reste du monde. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Vous ? Ça va ? Ça n'est pas trop dur ? Non, ça va. La tension n'est pas bonne ? C'est bon. Bah, peut-être un petit peu monter, hein, parce que... Un petit peu agité, parce qu'elle est en train de préparer son repas de ce soir. L'infirmière n'est pas uniquement l'infirmière pour le soin. En fait, on fait énormément de social. Je vais de maison en maison en faisant des visites à domicile. Entre 3 et 5 heures de marche par jour. Demain, Cyril poursuivra sa tournée hebdomadaire en direction d'un autre îlette. Mais pour l'heure, il est temps pour lui de faire comme tous les randonneurs de Mafate, trouver un gîte pour la nuit. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Pour célébrer aujourd'hui Deepavali, on va commencer par une petite prière en l'honneur de Lakshmi.
C'était vraiment très beau ce qu'on vient de voir. C'est vrai que je suis très contente de voir ce soir les élèves danser. D'habitude, je ne danse pas parce que j'aime bien apprécier. Mais là, j'ai pu aussi apprécier mes élèves et j'étais vraiment très contente. Elle est très importante, cette communauté indienne, ici, sur l'île de La Réunion. À La Réunion, je pense que ça représente environ 30%. Bon, il y a quand même un peu de métissage, mais je pense que 30%, c'est la réalité. On peut dire que l'hindouisme est maintenant, aujourd'hui, la deuxième religion de l'île ? Oui, effectivement. On peut dire. Ouais. Même si, dans l'État français, l'hindouisme n'est pas encore reconnu en tant que religion. Hein, donc, mais c'est vrai qu'à La Réunion, allez, c'est très répandu. Bien attaché. Donc aujourd'hui, c'est comme c'est dit Pavali, on enlève toutes les feuilles déjà mortes, je dirais, et remplacer par des feuilles de mangue fraîches pour purifier la maison, parce que avant la cérémonie également. Donc tu dois en mettre combien ? Alors on va en mettre 9. D'accord. Qu'est-ce que représente Deepavali pour la communauté indienne présente ici à La Réunion ? Alors Deepavali, il y a plusieurs significations. Il y a tout d'abord, on prie en ce jour la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la lumière, et on prépare la maison, purifie la maison pour que Lakshmi entre dans la maison. Il y a aussi, relatif au Ramayana, cette célèbre épopée indienne. C'est le texte fondateur de l'hindouisme, exactement. Le Ramayana. Oui, voilà, en quelque sorte. Il y a aussi le Mahabharata, ouais. Enfin, il y a d'autres. Mais c'est vrai que le Ramayana est quand même très répandu. Donc, en fait, c'est toujours la victoire du bien sur le mal. Donc c'est pour ça qu'on purifie la maison et même le matin, on prend un bain d'huile pour enlever vraiment tout ce qui est mauvais. C'est un peu comme une nouvelle année. D'ailleurs, au nord de l'Inde, ils considèrent le Deepavali comme une nouvelle année. Je vais allumer la lampe qui illuminera ce jour de Deepavali. Donc, comme on a purifié les divinités pour parfumer, on parfume également la maison, on purifie la maison. Donc, il faut faire le tour de la maison. Voilà, tu fais le tour. Qui va me permettre de faire connaissance avec ta famille, parce que je vois que tout le monde est là. Bonjour. Donc, la cuisine également. Ça sent bon dans cette cuisine. Et c'est pas seulement grâce à l'encens. Hein. C'est les épices. C'est parfait. Il y a plein de bonnes choses là qui mijotent. Là, j'ai préparé un dalle. Ouais. Puis après, je vais préparer un riz citron. Alors, vous avez appris toutes ces recettes à vos filles ? Oui, il faut qu'on transmette. Ouais. Ça donne envie, hein ? Ah oui, hein ? C'est appétissant, tout ça. Un repas végétarien, en ce jour. Qui sont les premiers Indiens à être venus ici et pourquoi ils sont venus s'installer à La Réunion ? Et c'était les esclaves avant qui travaillaient toutes les terres de La Réunion. Puis, il y a eu des révoltes d'esclaves, donc il n'y avait plus de main-d'œuvre pour la terre. Et comme il y avait des comptoirs françaises au niveau de Pondichéry, Carical, et les colons de La Réunion, les propriétaires, ils sont retournés vers l'Inde pour aller chercher de la main-d'œuvre. Moi, par exemple, mes ancêtres sont arrivés dans les années 1870, la dernière vague. Et on a cherché à les christianiser ? Les prêtres étaient chargés de convertir les hindous pour empêcher la communauté de s'agrandir. Donc, ils avaient quand même le droit de pratiquer leur culte, mais dans la cour des usines, tout ça. Donc, ça veut dire que tout le monde a été, à un certain moment de leur vie, à l'église, débaptisé. Quand nos ancêtres sont venus, comme ils ont dû aussi un petit peu apprendre les traditions françaises, la culture française, etc., et ben, y a aussi la langue qui s'est perdue au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que nos générations ne parlent pas tamoul. Oui, parce que ça... Mais on est en train de réapprendre, du coup. Ah, tu te sens plus indienne, réunionnaise, française, comment tu dirais ? Tout en même temps. Tout en même temps. Fais tout ça. Tout en même temps. Quand on me demande, je dis oui, je suis réunionnaise. Oui. Je me sens profondément réunionnaise, mais d'origine indienne. Om Ganapati Jaya, Om Ganapati Jaya, Om Ganapati Jaya, Gananata. Om Ganapati Jaya, Om Ganapati Jaya, Om Ganapati Jaya, Gananata. Gajamu.
Muka Gajamuka Gananata Suramuni Vandita Gunanita Jnanadayaka Gananata Hatjnananashaka. Donc c'est un temple dédié à la à Muruga, qui est le fils de Shiva. D'accord. On a le prêtre qui est en train de faire la cérémonie. D'accord. À l'occasion du Dipavali. Donc il fait ce qu'on appelle le Yaragam, le feu de la purification. On peut s'approcher pour la prière ? Bien sûr, bien sûr. Cette représentation de la divinité est vraiment unique. C'est une statue en roche, en pierre, ça. Même des comme ça, on en trouve pas en Inde. Taillé pour être fait comme ça. Ah ouais. Il y a même des pratiques rituelles qu'eux ne font plus en Inde. Ouais. Donc la diaspora indienne est presque plus pratiquante peut-être, que les Indiens d'Inde. Peut-être, oui. Par exemple, Kavadi, marcher sur le feu. Voilà, marcher sur le feu, ce sont des pratiques très répandues à La Réunion. Mmh. Alors qu'en Inde, on va retrouver souvent dans les villages, surtout pour la marche sur le feu. Mmh. Mmh. De la communauté hindoue réunionnaise est d'origine tamoule. Cette population est arrivée du sud de l'Inde et du Sri Lanka après l'abolition de l'esclavage en 1848 en s'engageant librement dans les plantations de canne à sucre. Parmi les traditions religieuses qu'ils ont emmenées avec eux, il en est une qui, si elle a disparu en Inde, est toujours très vivante à La Réunion et à l'île Maurice, la marche sur le feu. Histoire qui s'est passée depuis très très longtemps, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait 5 cousins d'un côté, c'est-à-dire Adjunin, dans une famille où il y avait 5 frères. Il y avait 99 cousins de l'autre côté. Ils se sont battus pour aller bien. Ils ont fait une guerre de 18 ans. C'est parce qu'on fait 18 jours la marche sur le feu. Ça représente chaque jour un an. Cette tradition se déroule tout au long de l'année dans les différents temples hindous de l'île. Et durant les 17 jours précédant l'épreuve du feu, les futurs marcheurs doivent se purifier et s'imposer un carême. J'ai décidé de faire le premier pas, vu que ça fait 2 ans que je suis adhérent à la chapelle aujourd'hui. Donc c'est la première fois aujourd'hui que je vais me lancer vraiment dans le grand bain, comme on dit. Tout ça là pour participer à la vie aussi et surtout connaître un petit peu notre descendance. Pas de viande, pas de rapport sexuel, tout comme ça. Si possible, 18 jours à la chapelle. Tout ça tous les soirs en priant. Depuis le premier jour, disons dans la première semaine, ça commence à être difficile vu qu'on n'est pas vraiment habitué à jeûner, vu qu'on a tout notre quotidien en fin de compte. On travaille, des personnes qui prennent le congé juste pour ça. Les marcheurs doivent s'imprégner des éléments mythologiques grâce à des récits et des représentations théâtrales populaires appelées le bal tamoul et retraçant un épisode de la grande épopée mythologique indienne, le Mahabharata. (Rires)
Le grand jour venu, il faut préparer le carré de feu sous la houlette du Pujari, le prêtre du temple. Donc le carré fait 6 mètres de long et largé à 3 mètres de large. Plus le petit palpouli, le bassin sacré, donc il fait 1 mètre. Et là, là le gros bois dedans, il fait là gros bois là, il va flamber jusqu'à 3 heures. Et après le petit bois, donc nous mettre ça 4 heures après-midi ici pour nous marcher à 6 heures. Oh, le plus dur sera d'arriver devant et surtout ne pas hésiter, surtout. En arrivant et surtout que. Pour certaines personnes, c'est la première fois, donc l'hésitation, il faut l'oublier et y aller. Beaucoup de prières, effacer tous les gens autour, disons, et être bien dans sa tête, se concentrer et se dire qu'il faut y aller, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Malgré la préparation mentale et physique des 2 semaines précédentes, l'appréhension est palpable au moment d'affronter l'épreuve du feu. Mais chacun veut se montrer digne du vœu formulé. Guérison de la maladie d'un proche, solution d'un problème personnel ou toute autre faveur divine. Pour la première fois à ce qui passe, donc moi, en tant que prêtre, m'y accompagne les autres. Parce que c'est ta père. Et donc c'est moi, Yaman. Obligatoirement, le feu reste le feu. Que quelques petits picotements, un petit peu de chaleur, ça va partir dans la nuit. Tous les marcheurs ont eu la victoire, on est contents, les dieux sont contents. Même le feu pourra vous le dire, lui aussi il est content. Donc ce soir c'est la fête, jusqu'à demain, et après retour à la normale, retour au boulot, avec beaucoup d'émotions surtout pour cette année. La marche sur le feu est toujours très populaire, et est pratiquée par toutes les communautés réunionnaises. Voilà. Donc le roi du Maloya à Sainte-Suzanne, c'est vous, monsieur Roger. Oui. On va vous en sortir. Raconter une histoire. Ouais. Je vais raconter dans les écoles, mm-hmm. pour les enfants. Quel type de message on fait passer dans le Maloya? Au départ, c'était vraiment la complainte de ce travail dur qu'il y a eu dans les champs. Et c'est une expression en fait, de leur désarroi, on va dire un peu le blues. Mm. Même si le blues, ça résonne avec les Américains, mais la même histoire. Oui. Avec la fatigue, ouais. Côté fouette. Le fouet, ben, l'esclavage, il faut travailler, il faut donner rendement. Ce qu'on fait jamais assez. C'est vous alors qui avez fabriqué tous ces instruments de musique? Oui, ça s'appelle bois goyaville. Il faut chercher la forêt. Mais mm-hmm. ben là, ben, si quelqu'un y arrive, ils vendent. Ah, vous les vendez, vos instruments de musique? Ah, ben oui. Ah, ben oui. Et avec vos collègues dans les champs de canne à sucre, des fois vous chantiez le Maloya ou pas? Oui, mais il y en a beaucoup de timides. Il y en a, ils n'osent pas chanter. Au début, comme le vidéo, le Maloya était maudit. Pour quelle raison? C'est original, hein? Bah oui, pour quelle raison? Ben, c'est parce qu'il avait un côté subversif selon l'autorité. De 1960 à 1981, le Maloya était interdit. On faisait taire les chanteurs de Maloya. Ceux qui osaient défier l'autorité et faisaient leur Maloya, comme mmh. on l'a entendu là, très aisément aujourd'hui, mmh. ben, ils étaient arrêtés par la police. Quand j'ai eu le Maloya,
Et le gros bois, il vient, il bat le roulet à terre, il crase. Bat le roulet à terre. Non. Coup de pied, ça finissait en bagarre générale. Oui, il faut fermer. Il prenait les instruments et il foutait par terre. Mais c'est assez récent, en fait, ce que tu me racontes. Bien sûr. Parce qu'on passait des messages qui pouvaient passer pour rebelles, quoi. À l'époque, on appuyait sur nos têtes en nous disant non, cette culture-là, non, on n'en veut pas. Parce qu'il fallait abolir les différences pour ensuite créer la départementalisation. Ça a été, voilà, je vous donne ma conduite. Donc vous n'avez pas à chercher d'autres choses qui ressortent de l'unité de l'État. Au soleil, il est fort, en pointe à moi, ton copine, c'est nana. Au soleil, il est fort, en bas là-bas, en pointe à moi, ton copine, c'est nana. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué le renouveau du Maloya ici à l'île de la Réunion? D'abord, l'accession de François Mitterrand au pouvoir, c'est original. En 81 En 81, François Mitterrand, et d'ailleurs, l'une des expressions qu'il avait l'habitude de dire, c'est qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire paie peu à peu de son identité. Est-ce que les jeunes générations se sont réappropriées le Maloya? Moi, je dirais totalement, parce que les jeunes générations n'ont pas ce côté déni de l'histoire. Ouais. Et en même temps, quand il s'agit de Maloya, on voit d'abord les jeunes dansent. Les anciens, ils ont gardé ce côté un petit peu secret. Un peu plus réservé, mais... Ouais, ça la... fait... Ouais. Ben oui. Ravi de vous avoir rencontré, hein. Ben moi, je vous permettez que je vous fasse la bise? Oui, ah. Vous permettez. Monsieur, que embrasse votre fille. Bien qu'il me sourie. Vous voyez qu'un chanteur de Maloya peut très bien exactement. Chanter exactement. Vos chansons standards. Eh bien, vous permettez, monsieur, nous allons vous laisser. Bonne journée, en tout cas. Merci. Je vous rends ça. Comme on voit, donc les deux vecteurs de la cohésion de notre petite île, ce sont le Maloya et le Mouringue. Oh, allez. C'est pour moi là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est le Mouringue, c'est ça. Mais vas-y, vas-y. Je sais pas faire. Hein. Aussi attaché à ce respect, à cette transmission de l'histoire de la Réunion? Ben, moi-même et Max, on a vécu quand même la vie où c'était encore dur. Hein. Ça se faisait pas, c'était interdit. On a connu ça qu'après. Les anciens nous parlaient un peu, mais on s'attachait pas vraiment à cette discipline. On était parti plus dans la boxe française, le karaté, ben, les sports qui venaient d'ailleurs. Et puis, on avait quelque chose de vraiment riche, plus important qu'on ne savait pas. Ben moi, comme tu remarques, je ne pratique pas le mouringue, mais pourtant, je suis très attaché à ce que les autres le pratiquent. L'esclavage est un crime contre l'humanité, on l'a reconnu. Maintenant, faisons en sorte que cette histoire qu'on n'a pas écrite nous revienne aujourd'hui, pas comme un boomerang pour faire mal, mais comme une sorte de ferment qui nous permet de nous reconnaître et de savoir exactement d'où l'on vient. Sacrée énergie là. Tout le temps. Ah oui, ils sont pleins d'énergie, ils sont jeunes. Hein. Voilà, le Maloya traditionnel, ça vit toujours, ça vit en eux. C'est leur nation, c'est quelque chose qui sont
quand ils chantent, c'est dans leur trip, quoi, ça se ressent. Oh, Maloya, elle est à nous, ça. Et comme ils le disent, c'est eux qui ont choisi leur nom, hein, de groupe. Tanaka Maloya, Tanaka vient du Malgache, ça veut dire enfant. Ben, petits et grands, ils seront toujours les enfants du Maloya. Ah, c'est joli ça. Mais comment ils ont appris à jouer aussi bien tous? Ben, c'est comme ça, ça a commencé. Il faut s'arrêter à l'âge de 3 ans. Biberon dans la main, ils battent le seau et le rouleur de l'autre côté. Une autre réalité du Maloya. Voilà. Et ils ont envie de dire aussi aux jeunes, ne lâchez pas. Merci. Que ce soit dans la musique, la langue ou les paysages, l'âme créole imprègne toute l'île de la Réunion. Et pour qui souhaiterait comprendre cette créolité, ne serait-ce qu'un peu, un passeur de culture s'avère nécessaire. Quand vous êtes chez les gens, quand vous arrivez, en créole, nous, quand on était à Mormaille, jusqu'à maintenant, il crie « La pas personne, nana de moun ?» Est-ce qu'il y a quelqu'un? De moun, c'est les gens. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, ça va monsieur. Clovis est ce passeur de culture. Oui, ben, les bread, il fut le premier créole à devenir guide de montagne. Depuis, il consacre sa vie à faire connaître le monde qu'il a vu naître. Boisson, c'est sucré, là. J'adore être dans les pattes de grand moun quand, des anciens quand j'étais Mormaille. Et cette culture orale, si nous, on ne le transmet pas, notre génération, en tout cas, qui est la génération ombilicale avec ces gramouna, eh ben, cette créolité-là aurait du mal à vivre. J'ai connu la petite case en terre où il fallait arroser. J'ai étudié avec la lampe à pétrole. Et puis, en 1980-81, j'ai eu l'estrécité. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et donc, avec le franc CFA, donc je passe du franc CFA à l'euro et de la lampe à pétrole à l'Internet. Et j'ai que 46 ans. Donc le créole a sa logique à lui. Hein. Tout ce qui se mange, il va appeler ça un pied de quelque chose. Il ne dira pas un bananier, il dit un pied de banane. Il ne dira pas un manguier, il dit un pied de mangue. Il ne dira pas un laitier. Ah, ça fait joli, ça fait vilain dans la bouche. Hein. Un pied de laitier. Et là, c'est un pied de tamarin. Voilà, donc vous pouvez goûter. Hein. Il y a une petite graine dedans, attention. Hein. Une petite graine dedans, ne pas avaler. C'est bon. On connaissait tous les arbres qu'il fallait manger. Jamais mourir de faim à l'époque, nous, Mormaille. Mormaille maintenant sera un petit peu difficile. Clovis ne manque pas une occasion de rencontrer les anciens, ceux qui ont la tradition chevillée au corps. Bonjour, bonjour. Quand ça te plante un petit peu dans le temps. Manioc, maïs, tu vois, patate douce. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir tout le temps dans son marmite un petit quelque chose, oui, pour parler oui, quoi là. On a fait de pays. Ah, quelque chose de bon, de pays, quand il dit. Hein. Hein, on a la fierté de dire on a mangé un grain pays. Hein. Ben, merci, monsieur René. Ben, ouais, continuez le travail, on nous. On continue. Malérodéo, malérodéo, malérodéen, femme pour moi, ouais. Oh, malérodéo, malérodéo, malérodéen, femme pour moi. Pour nourrir son âme créole, Clovis aime à retrouver son vieil ami Georges, celui qui, le premier, lui a enseigné qu'être créole n'était plus synonyme de soumission ou d'esclavage. Quand t'es Mormaille, justement, la rencontre l'a fait que la mettre à moins sur la bonne voie. Et l'a fait comprendre à moins que l'école, la République, l'important. L'important pour, justement, pouvoir combattre cette fatalité qui était à l'époque la place où la société créole, cette société réunionnaise, voulait nous mettre. Donc voilà. On est des cafres. On est des Réunionnais d'origine africaine, malgache. Un gars comme moi, on m'a appris à l'école nos ancêtres, les Gaulois. J'étais persuadé jusqu'à l'âge de 15-16 ans que mes ancêtres, c'était des Gaulois, jusqu'au jour où, en fouillant dans un livre, je me suis comparé à un Gaulois, j'ai dit « il est blond, je suis noir, il y a un problème, mes ancêtres, c'était pas des Gaulois. » En quittant la Réunion, Sophie s'envole vers une autre terre de créolité. L'île Maurice, située 200 km plus à l'est. Si le paysage mauricien est beaucoup moins accidenté que celui de sa voisine, Maurice et Réunion partagent un certain nombre de points communs.
à commencer par la langue. Officiellement anglophones, les Mauriciens parlent quotidiennement le créole et le français, comme à La Réunion. Ce qui fait dire à Wesley Janot que les Réunionnais sont un peu leurs cousins. J'ai jamais quitté mon île, mais je connais toutes les îles qui se trouvent autour de l'île Maurice. C'est seulement ça, mon vacances, quoi. Pourquoi pas à La Réunion? J'aimerais bien d'aller là-bas, quoi. Peut-être que je vais aller l'année prochaine, je ne sais pas. Et bon, ben, ça me manque beaucoup. J'aimerais bien aller là-bas, quoi. Pour rencontrer les Réunionnais, de voir un peu leur culture, comme j'aime bien la musique, j'aime bien Maloya. Contrairement à la population réunionnaise très métissée, à l'île Maurice, 2 habitants sur 3 sont d'origine indienne. Si les créoles sont minoritaires, leur influence culturelle est prépondérante, notamment dans la musique. Sur toute l'île, Wesley est connu comme celui qui chante haut et fort l'âme créole. Ce pêcheur est aussi un chanteur de Sega, la musique préférée des Mauriciens. Tranquille? Ouais, toi. Et ça va? Je vous présente Zoazo et Alan Fou qui est là. Et on est tous fils de pêcheurs parce que le village de Grand Groupe, c'est village pêcheur. La musique chez nous, c'est la Sega. La Sega, comme on dit tout le temps d'après l'histoire, c'est à l'époque d'esclavagisme. Et la Sega, ça réconforte, hein. Ça enlève toutes les douleurs qu'il y a, les douleurs de coups de fouet, tout ça. Mais ils rassemblent sous un arbre, on appelle ça la tanière. Et tous les esclaves se retrouvent sous l'arbre. Et on commence à raconter nos misères, tu vois, à raconter la misère. Et on fait un Sega. La musique dans l'île, ça. Vive ça, la musique là. Faire banatan ça là-bas. Si l'histoire des deux principales îles de l'archipel des Mascareignes ne se sont que très peu croisées, le Sega de Wesley le Mauricien et le Maloya de Clovis le Réunionnais chantent la même identité créole, la même histoire des descendants d'esclaves. Oui, c'est un arrivé. Oui, 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 on a arrivé. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ben merci, merci beaucoup. On vient de la gare. Voilà, c'est bon, on va pour tout dans la chambre. Bonjour, Joyce. Merci. Comment allez-vous? Ben, très bien, merci. Au revoir, messieurs. Quel bel endroit. La table au bord de la piscine, mon petit chapeau, un petit cocktail de bienvenue. Il y a des fruits, de mangue, de passion, de pêche. Tout ça pour donner de l'énergie. Mélan d'eau. C'est parfait. J'ai envie de dire, tout est parfait. Merci. Jeune, vous, Joyce, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Je suis ici depuis 5 ans. 5 ans? Oui. Oui. Vous êtes du quoi? Vous êtes de l'île Maurice? Je suis de Trou-de-Douce, dans le village de Trou-de-Douce. Et c'est très bien, c'est très bon de vivre. Le tourisme fait travailler beaucoup de gens ici à l'île Maurice. Dans votre famille ou votre environnement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là? Bien sûr, oui. Mon mari est pâtisserie. D'accord. Donc, il est chef de partie. Et puis, il y a beaucoup de cousines et cousins aussi dans le domaine de l'hôtellerie. Et vous, Thierry, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 23 ans? Oui. Non, 33 ans? 33 ans. Quand le Thierry n'est pas là, quand les prend le congé, les clients n'est pas contents. Il faut que vous soyez là, forcément. Ah, oui. Voilà. Vous avez la chambre 313. C'est une vraie petite maison. Confortable pour vous. Avec vue sur le lagon. Superbe. Il est
quel âge exactement cet hôtel? On a fêté le 36e anniversaire, le 25 novembre. 36 ans? Oui. Alors attendez, dites-moi Thierry, vous m'avez dit que ça faisait 33 ans, c'est ça que vous travaillez oui, ici? Oui, oui. Vous êtes là depuis le début. Le début. Mais vous connaissez tout et tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Et on se lasse pas de ces paysages-là? C'est le paradis. C'est le paradis? Ah oui. D'ailleurs, c'est toujours paradis pour toujours, vous? Oui. Bien que Maurice ait été pendant longtemps une colonie anglaise et en grande majorité peuplée de descendants indiens, on doit la culture du thé à un Français. À la fin du XVIIIe siècle, Pierre Poivre, alors gouverneur de Maurice, ramène de Chine quelques plants de thé. Et depuis plus de 300 ans, le paysage du sud de l'île est toujours très marqué par cette culture. Comme autrefois, chaque matin à 5 heures, des centaines de cueilleurs affluent dans les champs. Comme ici, à Bois-Chéry, où l'on est cueilleur de père en fils depuis des générations. Ça fait 12 ans que je suis dans Bois-Chéry, je suis rentré dans le Jité, domaine Jité. Je commence à casser Jité. Enfin, casser, puis grandir en misère. Quand nous grandissons, nous nous marions tout dans l'endroit. Bonne femme, c'est casser Jité. À la belle fille, mon gagne des enfants, tout ça, la belle fille, paisseuse, travaille dans l'usine. De là, nous avons une petite promotion, je m'en disais, j'ai 10 ans, de c'est là. Je m'en disais, postez-moi demain pour ça, là, pour travailler. Son nom scientifique, Camellia sinensis, veut dire camélia chinois. Le thé mauricien est comme autrefois toujours cueilli à la main. Les cueilleurs ne doivent pas perdre de temps car ils sont payés au poids. Les autres cassent là quand j'étais poids, parce qu'ils ne payent pas au kilo. Hein. Il a payé 6 roupies, quelque chose, kilo là, pour le moment. Mais à misère, je casse là au 30 kilos, il a augmenté, il y a il vient là un barème, 7 roupies, quelque chose. Je vais dire, mon bougeur. Correct là. Et une bonne cueillette réside dans l'art de concilier rapidité et qualité. Un bon thé, premièrement, tu dois savoir choisir la feuille, OK? Tu prends ces feuilles-là, les vieilles feuilles comme ça, là, ça, c'est pas bon. Avec ça, tu n'auras pas une bonne thé avec ça. Puis Dianane va me corriger. Ça, c'est pour avoir un bon thé. C'est pour ça, ici, on fait la cueillette à la main pour pouvoir, comme si, choisir les bonnes feuilles pour avoir un bon thé, un thé de qualité. Dès la cueillette achevée, la récolte est acheminée vers l'usine pour être traitée le plus rapidement possible. La feuille de thé va alors subir un traitement en 4 étapes. D'abord, le flétrissage, où il s'agit de lui faire perdre 30% de son humidité en le ventilant. Puis le roulage, pendant lequel le thé est broyé de plus en plus finement, mais sans avoir encore libéré ses arômes. Il faut donc le laisser fermenter. Donc là, il est fermenté là, pendant 1 heure et demie. Là, il s'enlève, mais après 1 heure et demie, il commence à sentir le thé. Une dernière cuisson à 110 degrés pour stopper la fermentation. Puis, comme le vin ou le whisky, le thé va alors être laissé au repos pour que la magie puisse opérer. Une fois on a tamisé le thé là, sont pesés et stockés pendant 3 mois, vieillis, pour que ça donne son parfum, son goût. Ça, on n'en jette rien, c'est naturel. Une fois conditionné, le thé est prêt à être expédié. Une grande partie le sera à l'île Maurice. Véritable boisson nationale, 95% des Mauriciens en boivent tous les jours. 2 jours de manipulation, 3 mois dans les silos, et après 3 minutes pour le boire. Mmh.
Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Bonjour. On s'est parti pour l'île aux cerfs. Petit content qui tout le temps te reste dans sous les bras. Il est en toi périvé, tout routi zézi. Moi, comment te lance gardien, moi, va veille-toi bien. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle raconte exactement? C'est une berceuse d'une maman à sa petite qui lui dit dors, si tu rêves et que tu vois le petit Jésus, demande le petit Jésus de veiller sur moi. J'aime bien cette chanson depuis très petit parce que... Ça te rappelle plein de souvenirs. Plein de souvenirs, voilà. Moi, je suis un petit peu né dans le pot, comme on dit, parce que je suis fils de Serge Lebras, qui est un musicien très connu dans l'océan Indien. Un petit peu le pionnier du Sega, la musique folklorique de Maurice. Et du coup, toute la famille est un petit peu évolue un petit peu dans le spectacle, dans la musique. Et moi, j'ai choisi de transmettre aux jeunes tout ce qui est artistique traditionnel. La culture créole, il y a beaucoup de richesses et c'est très important à ce que nos jeunes le savent. Avant, parler créole, chanter créole, c'était un petit peu tabou. C'est-à-dire que la société le voyait un petit peu vulgaire. Et souvent, jusqu'à maintenant, il y a une partie de la population mauricienne qui dit « Ah, les enfants, il ne faut pas qu'ils parlent créole, il faut apprendre d'autres langues, français ou anglais. » Mais comme dit les paroles d'une chanson, « Non maman, non papa, moi je suis créole, maman créole, papa créole, dans l'œuf de poule, on ne peut pas trouver des petits canards. » Mais moi, tu as l'école, moi, tu apprends l'anglais français. Quand vos cosmo créole, professeur trappe-moi batté, les temps moi le mot la case, à la mot col mot maman. Maman dit à moi comme ça, pas besoin de prendre tracas. Non maman, non maman, moi un petit créole, n'a pas fait moi non rien, quand même dis moi bâtard. Papa créole, maman créole, mais moi mon bisin créole, parce qu'il t'en disait foule. Pas qu'à pas qu'un petit canard, pis pinez l'ipou, ça qu'un nina sur les rois. Nous dans nos nations, jamais nous finina. Dimoutier ou comme ça, créole nation volée. Dis et c'est qui content, nous connons nous valer. Non maman, non maman, mais moi un petit créole, n'a pas fait moi non nye. Quand même j'ai moi volé, maman créole, papa créole, mais moi mon bisin créole. Parce qu'il t'en vendrait qu'un, n'a peine à miner volé. Parce qu'il t'en disait fou, pas qu'à pas gagner un petit canard. Bravo. C'est marrant, hein? C'est très sympa cette chanson. Alors là, on arrive à l'île aux cerfs. Merci monsieur, bonjour. L'endroit où on a construit ce superbe golf parmi les entassements de sable, marécages et mangliers. C'est une fusion de nature extraordinaire. Pravesh, nous sommes à tes ordres. Alors tu vas voir, on a un niveau mini-golf, hein, ouais, tous les deux. Mini-golf. Main gauche en haut, avec les pouces gauches parallèles aux manches. Okay. Main droite, vous la calez à l'une des côtes des pouces gauches. Écartez un peu les bras. En termes de gestes, vous n'avez qu'à balancer les bras, les épaules, comme une pendule. Tiger Woods, elle n'a qu'à bien se tenir. Ah, presque. Dommage. Regarde, wow. Pradesh. Ah, wow, dommage. Presque. Écoute, je crois qu'il faut qu'on reste un peu, hein, pour apprendre à Toto. On n'a pas le choix. Hein. Ouais, il faut au moins 3 jours. Ouais. Et... 3 jours, matin et soir, voilà, pour s'entraîner. Quoi. 6 heures par jour avec Pravesh. Ouais. Bah écoute, moi je suis d'accord. C'est l'entraînement, puis... hein. Ouais, c'est de l'entraînement. Je suis d'accord. Et puis, c'est vraiment un site exceptionnel, hein, ici. Ouais, il existe depuis combien de temps exactement? Ça fait 9 ans que les golfs existent. Ouais. On a ouvert les golfs le 1er novembre 2003. Il a été conçu par qui, ce golf? Le golf est construit par le Bennett Langer. C'est un Allemand qui était un très bon joueur à l'époque. C'était un professionnel.
L'habitude de construire des golfs d'exception? Oui, dans les mondes entiers, on construit pas mal dans les golfs, quoi. En Dubaï, à l'île Maurice, en Europe, aux États-Unis, quoi. Bert Langer, c'est quelqu'un qui justement construit des sites de golf avec un peu de difficulté, qui rend ce golf différent des autres. Ce qu'il a voulu faire, c'est mélanger le green avec le naturel de l'île de Serre. Tu vois, tout ce qui est en dehors du green est resté ce que l'île de Serre était avant 2003. Et donc, fusion de tout ça avec la mer, avec la montagne derrière. C'est super. C'est super. Ouais. Là, je relâche mes bras et je fais les gestes. Ouh la vache! Regarde comment ça va! Ok. Là, et t'es mené à gauche. Ça, c'est le mouvement. Voilà. Ah non, il faut vraiment que ça remonte là. Hein. Dommage. J'ai pas fait de saut. Oh, dommage, j'ai tapé l'arbre. Tapé là. Fais ton geste maintenant. Oh là, ah, il y a un trou. Regarde, ça c'est Toto, ça tu vois. Une fortune, ça c'est toi, ça c'est Toto. Eh ben moi je préfère l'herbe. Moi je préfère les types parce que ça coûte moins cher que l'herbe. Mais moi je prendrais bien un thé du coup. Un lagon turquoise, des plages de sable blanc et des hôtels de luxe. La carte postale mauricienne séduit chaque année près d'un million de touristes, soit presque autant que la population de l'île. Parmi ces vacanciers, on compte de plus en plus de jeunes couples ayant choisi Maurice pour décor afin d'y célébrer leur mariage. C'est le cas de Simon et Anna. Ces jeunes Anglais viennent d'arriver sur l'île et doivent se marier dans quelques heures. Ils sont accueillis par Madavi, la responsable des mariages de l'hôtel. Elle s'est occupée de tout avant leur venue et s'empresse de leur dire que tout est prêt. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelques photos pour vous donner une idée de ce qui va se passer et des endroits où cela va se dérouler. On a beaucoup d'endroits possibles. La plage, le gazebo, le château. Il y a beaucoup de choix. On a déjà jeté un coup d'œil et on a fait notre choix. Ok, vous avez choisi le gazebo. Ça, c'est bon. Ils sont très inquiets et ils sont bien impatients de voir tous organiser bien et donner tous les maximums. Et s'ils veulent quelque chose, on ajoute notre maximum pour faire tout. Malheureusement, j'ai oublié mon costume de mariage dans une chambre d'un hôtel de Londres, la veille de notre départ. Ce n'est qu'une fois arrivé ici que l'on s'en est aperçu. Ça nous a brisé le cœur. L'hôtel a réussi à te trouver une chemise, un costume à la dernière minute. Ils ont tout résolu dans l'urgence. Ce sont les héros de notre mariage. Ils ont vraiment sauvé l'affaire. On va pouvoir se marier. Rassurés, les fiancés peuvent à présent aller se préparer tandis que Madavi supervise la mise en place de la cérémonie. Une affaire rondement menée, car cet hôtel organise plus d'une centaine de mariages par an. C'est notre fleuriste qui est en train de fleurir le gazebo. On est habitué. On fait les mariages presque tous les jours. Il faut terminer là, ils ne vont pas tarder. Et les fleurs, les couleurs, c'est que le client qui choisisse. Il peut avoir beaucoup d'idées, mais on fait un petit saut pour réaliser ses rêves. Quand ils voient Maurice, ils disent « notre rêve est déjà réalisé ». Pendant que le staff peaufine la décoration, Madavi va voir si la mariée est prête. Merci. Bonjour. Vos fleurs sont arrivées. Et voilà. Merci, elles sont vraiment superbes. C'est beaucoup d'émotions. Je crois que je vais me mettre à pleurer. C'est vraiment superbe ici. Et puis, tu es heureuse, alors nous sommes également. Le moment tant attendu est à présent arrivé.
Anna et Simon se présentent devant l'officier d'état civil mauricien pour une cérémonie de mariage on ne peut plus officielle. Mademoiselle Anna Vincent, voulez-vous prendre pour époux Simon James ici présent? Jurez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir? Je le veux. Anna, je te donne cet anneau. Symbole de mon amour. Symbole de mon amour. Et de ma fidélité pour toi. Et de ma fidélité pour toi. Par cet anneau. Par cet anneau. Je te donne tout ce que je possède. Je te donne tout ce que je possède. Et tout ce que je suis. Et tout ce que je suis. Je te prends pour femme. Je te prends pour femme. Ok, kiss, pro. La grande majorité des 8000 mariages étrangers célébrés chaque année à Maurice se déroule en petits comités, les mariés n'étant souvent entourés que de leurs seuls parents. Il faut dire que le rêve a un coût. Simon et Anna ont déboursé près de 10 000 euros pour s'unir ici, voyage et hébergement compris. À côté de ces mariages à la chaîne, certains choisissent Maurice pour vivre une expérience hors norme. Élise et Xavier se sont unis officiellement chez eux en Belgique. Mais ils ont tenu à immortaliser leur union d'une manière peu commune. Ça va aller avec ta robe ? Ouais. Ah ben c'était fait pour. Je te rejoins, j'arrive. L'île Maurice est l'un des trois endroits au monde où il est possible d'effectuer une plongée en sous-marin, même si l'on n'est pas militaire ou scientifique. Et boire du champagne en robe de mariée, avec pour seul témoin les poissons du lagon. On est parti à l'île Maurice pour notre voyage de noces et on se disait que bah, ce serait super sympathique de pouvoir faire une séance photo, un shooting en... avec le décor exotique. Et puis alors là, je pense que là, on ne pouvait pas trouver plus exotique comme décor. Être à 35 mètres de profondeur avec sa robe de mariée, non, c'est pas commun. Je pense que je vais faire des jaloux. Les petits poissons, apparemment, oui, ça s'appelle des demoiselles. Donc on a beaucoup de demoiselles d'honneur, là, pour le moment. Certains couples n'hésitent d'ailleurs pas à célébrer la cérémonie au fond de l'océan en embarquant avec eux un officier d'état civil. Dans ce cas, il faut compter aux alentours de 1300 euros pour privatiser le sous-marin. Le prix d'un souvenir unique et éternel. On est où là? 4-2, le 4. Ouais. Oh. C'est eux qui mènent. Yes. C'est bon, c'est bon. Oh. C'est à moi. Hein. Ouais. Hey, c'est pas mal ça, Marco? Oui, oui, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super. T'as encore une boule? Ah oh, non. Faut que je le déconcentre. Il y avait un caillou. Il y avait un caillou. D'accord. Bon, c'est toi qui as organisé, Marco, ce concours de pétanque là ici à Maybourg. Ouais, j'ai organisé ça spécialement aujourd'hui pour nos visiteurs. Ouais. Et avec de différents bolistes de l'île. Mm-hmm. Et pour dire que voilà, on aime la pétanque et ils sont intéressés à jouer. Mais comment ça a commencé cette passion pour la pétanque à l'île Maurice? La pétanque, je crois que ça a commencé il y a presque 50 ans par les visiteurs français et ils ont laissé leur boule chez nous. Du passage, et à partir de là, on a commencé à jouer. Et aujourd'hui, on voudrait pousser un peu plus loin. Mais il faut venir faire des concours en France, à Marseille ou ailleurs, là, avec l'équipe de Maybourg. C'est ça, on souhaiterait venir avec l'association l'année prochaine, voir ouais. si on a un jumelage ou des clubs intéressés. Mais oui. D'ailleurs, l'année prochaine, on fait notre deuxième concours international. Donc, ceux qui sont de passage et qui souhaiteraient venir, ben, on les souhaite bienvenue. Bon, il ne faut pas qu'on se déconcentre, parce que c'est quand même l'équipe franco-mauricienne qui joue contre l'équipe de Maybourg. Voilà. Il faut quand même qu'on leur montre. Qui ouais. C'est les patrons ici. C'est sûr, hein? c'est sûr. C'est l'honneur de la France qui est en jeu, monsieur. D'accord. Allez. Ouais, aïe, aïe, aïe.
dans les... Là, ça, il faut que tu aies dame de cœur ou neuf de carreau ou dame de carreau. D'accord. Ok. J'ai compris. Ou neuf de pique. Ouais. Ok, là. On va faire une suite. Allez. Allez. Les plus importantes de l'île ? Je dirais que oui, Maïbois est une village riche d'histoire, l'histoire de l'île. Disons que la bataille en 1810, ça a eu lieu ici à Grand-Pont. C'était quoi cette bataille ? Les Français occupaient l'île et les Anglais aussi voulaient l'île. Mm-hmm. Et les Anglais, ils ont pris possession de l'île, mm-hmm. mais ils ont laissé les Français diriger. C'est pour ça qu'on est plus francophone, un peu moins anglais. Ah, voilà un beau marché comme je les aime. Qu'est-ce que c'est, ça, Marco ? Donc, ça, ce sont des concombres. Ah, des concombres ? Ouais, d'accord. Ouais. Qui, on mange, on peut manger, c'est très bon. Ouais. De l'autre côté, des betteraves, des pâtissons. Ouais. Et ici, on appelle ça des bread tompous, je crois. T'en manges, toi ? Oui, oui, oui. Et comment ça se prépare, ça, madame ? On fait sauter. Ouais. Sauter, chop suey. On met dans les frites. L'important, c'est que Maurice, on a multiples cultures. Mm-hmm. On a les Indiens, les Arabes, les Créoles, les Chinois, en fait tout. Et que les légumes sont en fonction de toutes ces cultures. Des communautés, oui, c'est donc, ça. Donc, les tompous, ça, c'est un peu plus pour les Chinois. Et d'autres qui se servent dans deux différents carrés, comme pour les Indiens, des farratas, des dal puri. Donc, des tomates au cresson, en passant par la salade ou la patate douce, tout pousse sur l'île. Tout pousse sur l'île, tout pousse. Combien tu en as voulu, mon gars? Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous préparez de bon ici? Ici c'est bon, les dalles pourries, et des beignets. Ouais. Des beignets, des petits pois comme ça là, des beignets de pommes de terre, des beignets de béagine, des beignets de choux. Regardez ce petit gâteau ici là, c'est fait avec la moitié de piment, c'est frit en moitié, et ça pour les personnes qui ont bu ou souhaiteraient avoir un peu de tonus. De tonus, et là, ils mangent deux comme ça. Bon. On dit faire passer la gueule de bois. Voilà, hein, voilà. En deux mots, il faut manger ça. Voilà. C'est un peu le casse-croûte des Mauriciens. Mm-hmm. Le petit déjeuner, le midi, et autres. Donc, en dehors de notre déjeuner. D'accord. Donc, c'est juste de manger un petit coup. C'est un peu... Gourmand, ces Mauriciens. L'habitude, quoi. Ils sont beaux, vos beignets, monsieur. Tu aimes, toi, venir ici, souvent, au bord de l'eau, comme moi, ça? Moi, comme je suis à côté, ouais, très souvent, je viens pêcher avec des amis. La mer, c'est quelque chose, je dois le voir, d'ailleurs. Si le matin, on ne voit pas la mer... C'est pas une bonne journée. C'est une joie, ça. Ce son, d'entendre ça, et quand on est fatigué, de nager un peu, de se décontracter ou de partir de pêche. D'ailleurs, je travaillais dans un bureau avant, et là, j'ai changé pour l'environnement, le jardinage, que je connaissais pas avant. C'était un challenge avec les crises économiques, tout ça. J'ai accepté ce challenge. Donc, ton prochain défi, c'est de te mettre au kitesurf. Voilà. L'année prochaine, là, je vais sacrifier deux dimanches et venir apprendre le kitesurf. J'ai l'impression que c'est essentiel, hein, ici. Il faut savoir faire du kitesurf, ou en tout cas être à l'aise sur l'eau, défaut de faire du kitesurf. Oui. Comme pour dire, notre grand-mère disait toujours, il faut savoir monter la bicyclette et aussi nager. Okay. Nager, c'est important parce qu'on est sur une île et à tout moment, on doit savoir se secourir. Mm-hmm. Et puis, troisième, c'est qu'on doit savoir danser le séga. Ah oui, c'est important, ça. Donc, le séga, c'est la culture mauricienne. Elle ressemblait à quoi, ton enfance, ici? Mon enfance, c'est un peu comme des beaux souvenirs, surtout sur cette île aux aigrettes. Et il y a beaucoup de souvenirs, on prenait des petits bateaux, il n'y avait même pas la voile. Il y avait des gales qu'on poussait pour venir. Et quand la marée était haute, on devait attendre que la marée soit basse pour retourner. Posé comme un grand nénuphar au milieu des eaux turquoise du lagon, l'île aux aigrettes est une île toute plate, sans relief et couverte de végétation. C'est un lieu précieux car c'est un des rares endroits qui nous montre comment était la forêt côtière de Maurice avant l'arrivée des hommes. Petit paradis naturel posé à 800 mètres du rivage est de Maurice, l'île aux aigrettes est depuis 1965 un sanctuaire de 26 hectares
seulement peuplée de quelques oiseaux rares prospérant au milieu de plantes endémiques. Guyani travaille pour la Fondation mauricienne pour la vie sauvage. Chaque jour, elle arpente les sentiers de l'île pour protéger les derniers vestiges de forêts côtières encore existants dans cette région de l'océan Indien. Les aigrettes, c'est un peu Maurice 400 ans de cela, mais on essaie de le rapprocher un petit peu plus, donc replanter toutes ces plantes endémiques et relâcher les espèces endémiques qui étaient là autrefois. La mission de Guyani ne consiste pas seulement à protéger ce sanctuaire, mais aussi à éduquer la population mauricienne à la connaissance de son environnement. Bonjour les enfants. Je suis Guyani, donc c'est moi qui vais être votre guide sur l'île. Et donc si vous êtes prêts, on va aller commencer la visite. Ce sont nos bébés qui sont nés ici sur l'île, nos bébés tortues. On a 23 adultes en liberté et là, on a 15 bébés. Ces tortues, ça, ils vont vivre jusqu'à 150 à 200 ans. Cette plante, ça s'appelle le veloutier vert. C'est une plante côtière, on voit beaucoup sur les plages. Et les tortues, quand ils ont soif, donc c'est ces feuilles qu'ils mangent. Transmettre la connaissance est la mission principale de Guyani pour que la nouvelle génération puisse à son tour protéger un environnement mauricien mis à mal par la longue période coloniale, l'industrie sucrière et l'expansion des villes. Si les forêts originelles et les animaux sauvages ont quasiment disparu, de l'autre côté de l'île, un homme tente lui aussi de pousser les portes d'un monde aux richesses souvent insoupçonnées par la population mauricienne. Pour l'instant, on fait route vers un DCP qui se trouve au large. Un DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons. On en a pour 30 minutes pour arriver jusque-là. Et à partir de là, on va faire les premières écoutes. Hugues Vitry est une figure de la plongée mauricienne. Depuis des années, il a appris à connaître tous les habitants des fonds marins entourant son île. Et ce matin, il tente de localiser dans l'immensité un animal peu connu du grand public et craint par les pêcheurs. Bien fort. La traque se resserre. L'hydrophone a permis de repérer le cliquetis caractéristique de l'animal et d'indiquer la bonne direction. Ne reste plus qu'à ouvrir l'œil et le bon. On a vu une grosse éclaboussure, donc vraisemblablement qui correspond à une baleine qui est retombée dans l'eau. Là, ici, là. Tu vois le dos de la baleine, là? Regarde, là. Voilà. Après une heure de recherche, Hugues peut enfin montrer à ses visiteurs la star des mers mauriciennes, le cachalot. Un mastodonte pouvant atteindre 18 mètres de long et peser plus de 40 tonnes. On estime qu'une soixantaine d'entre eux vivent en permanence près de l'île Maurice. Les cachalots, ils ont toujours été là, mais très peu de gens le savent. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait faire plus de l'éducation, plus de la sensibilisation et que chaque Mauricien soit fier de cela et qu'on fasse tout pour préserver. Plusieurs cachalots se sont approchés du bateau et Hugues décide d'une mise à l'eau le temps d'une rencontre furtive mais inoubliable. Comme si ce n'était pas assez, les plongeurs vont aussi rencontrer un groupe de mésoplodons ou baleines à bec. Un cétacé discret, ressemblant à un gros dauphin. Il est très rare de le croiser au large de l'île Maurice. Bienvenue à bord du BSO 100. Quelques consignes de sécurité pour commencer. Si je suis incapable de remonter le sous-marin à la surface, vous aurez à le faire en baissant ces deux leviers bleus vers le bas pendant 30 secondes. Et le sous-marin remontera automatiquement à la surface. Ne vous en faites pas, je suis en bonne santé, j'ai bien dormi. Je ne vais pas m'endormir pendant la plongée.
Les mystères des fonds marins mauriciens ne sont désormais plus seulement réservés aux plongeurs, grâce à l'une des rares bases de sous-marins touristiques existant au monde. On peut descendre à 80 mètres avec, et on a 3 jours d'autonomie. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est de pouvoir emmener les Mauriciens, qui parfois se doutent même pas que juste à côté de chez eux et dans leur environnement, il y a des choses aussi extraordinaires, parce qu'aller sous l'eau, c'est comme aller sur une autre planète en fait. On monte dans un vaisseau spatial, on part sur une autre planète, et en fait, c'est à 2 pas de chez eux, et ils découvrent leur propre environnement dans le sous-marin en fin de compte. À gauche du sous-marin, vous allez voir le récif artificiel. Donc c'est l'épave d'un vieux bateau de pêche japonais qui a été coulé volontairement il y a 13 ans pour faire un hôtel 5 étoiles pour les poissons. C'est notre Titanic mauricien. Surface, surface, baisse, on sent par 20 mètres sur le récif, demande autorisation de remonter. Grâce au sous-marin mauricien, plus de 150 000 personnes de 2 à 91 ans ont pu approcher cette autre planète se déployant sous la surface de l'eau. En créole, il n'y a qu'à Maurice qu'on voit ça, ou il n'y a que les Mauriciens qui font ça, non? Ils savent chanter comme ça, en tout cas. Ouais. Il n'y a pas eu une phrase comme ça à un moment dans la chanson? C'est nos frères mauriciens qui comme ça. Ah, c'est ça. Alors là, il chante bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Il est un champion, lui. Ah ouais? Champion, ouais, c'est notre préféré ici. Joël? Lui, il a une belle voix aussi. Ouais. Belle voix, bonne bouille, tout belle va bien. Voix, et puis il y a des très très bons musiciens avec voilà, Joël. Hein. Voilà. Franchement, il est bien animé, assure, hein. Accompagné. Ben, ouais. C'est ça. Il faut toujours un leader pour donner le ton, comme on dit. Ben, il donne bien le ton. Il donne bien le ton. Nous, on suit. Hein. En tout cas, Marco, moi je suis vraiment ravie que tu m'aies accueilli ici chez toi. J'ai eu la chance de séjourner dans un grand hôtel. C'était vraiment magnifique. Mais il ne faut pas hésiter à sortir de son hôtel et aller rencontrer les Mauriciens, aller dans les petits villages, parce que les gens sont absolument charmants ici. C'est vrai qu'on a ce sens d'accueil depuis qu'on est petit, ce geste d'aimer, de dire bonjour, d'accueillir, ben, c'est ça les Mauriciens. Mais on a ce plus. Je vais garder plein de belles images de l'île Maurice et de la Réunion, bien évidemment. C'était vraiment un fabuleux voyage. On va terminer en musique avec plein de beaux sourires. Bien sûr, je fais aussi un petit clin d'œil aux Réunionnais qui ont eu la gentillesse de m'accompagner. À Sébastien, à Mafat, à Logambal qui m'a fait partager cette fête de famille pour Deepavali. J'espère que ce voyage vous aura plu. Je vous embrasse et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Comment on pourrait dire au revoir en créole? Bye bye. Bye bye. Salam. Ça va. Et moi, un petit cadeau pour t'es toi. Un amour, un petit souvenir de l'île Maurice. Oh, bah écoute, je me permets d'ouvrir mon cadeau. Bah hein. Oui, bah oui. C'est adorable ça. Ah c'est ça, c'est pour que j'aille faire cuire les grillades. Et voilà. C'est ça. Voilà. Oh c'est adorable.